les amis, bon ben pour moi c'est chaud patate, hein. Ça fait une semaine que je suis pas allée dans le lac parce que j'ai fait un petit séjour dans le Lot-et-Garonne chez mon amie Virginie, fondatrice de Graines de Joie. Et donc c'est un peu difficile. Et en fait aujourd'hui c'est pas facile parce qu'il y a du vent et il fait hyper froid. Regardez, on voit même les vagues dues au vent. Donc c'est pas facile de revenir dans le lac après une semaine d'arrêt et par ce vent. Ah oui, il y a le chien qui marche sur nos serviettes. Il y a ma fille, Manon, qui est avec moi. Elle aussi, ça fait une semaine qu'elle n'y a pas été. Bah plus, hein. Ah voilà. Ah bah oui, plus alors. Hein. Bon allez, ça sert à rien d'attendre. Go! C'est parti, mon kiki! Bah une fois qu'on est dans l'eau, on sent plus le vent. Hein. On sent plus le vent. En fait, je vois pas de différence entre la température extérieure et la température à l'intérieur. Du coup, c'est pas non plus hyper difficile. Là, elle doit être à 4 ou 5 degrés, je pense. Donc voilà. Ça fait vraiment du bien de retrouver les sensations. Sensation du froid, je suis contente là, c'est top, je sens tout mon corps, super. Yo, voilà, ça y est, elle arrive, bravo. Bon bah, par contre je vais faire demi-tour, hein. Ouais. Ouais, c'est vraiment top, toutes les sensations de froid, la connexion avec mon corps, la connexion avec la nature, avec l'eau. Ah, c'est génial. Je suis contente de l'avoir fait. C'est vraiment une expérience, je dirais quasi jouissive, ce contact avec le froid. Avec l'eau froide, avoir le corps complètement immergé dans de l'eau froide. La connexion à notre esprit, à notre âme, elle passe par le corps. Et je vois vraiment dans cette expérience de l'eau froide, cette porte d'entrée. Bon allez, comme il y a du vent, je vais sortir quand même. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon week-end, une belle journée, bye bye.